Bonjour à tous, c'est Elisa des tutos ukulélé de Diane. Aujourd'hui, on va apprendre The Seed de Aurora. Pour jouer cette chanson, il vous faut 6 accords. On a AM, ensuite C, ensuite EM, l'escalier, ensuite DM. On a aussi D normal qui va arriver dans le refrain, avec les trois doigts à la suite dans la deuxième case. Et on a F qui va arriver dans le bridge. Donc trois structures pour cette chanson, les couplets. Just like a seed, na-na-na-na-na. Donc ça, les accords pour cette structure-là du couplet, c'est AM, C, EM, DM, deux fois. C'est également un tour de AM, C, EM, DM pour les qu'on peut dire que c'est un bout du couplet ou un pré-refrain, mais mettons-le dans la structure couplet parce que c'est les mêmes accords. Je vous donne toutes les structures d'abord et je vous donnerai ensuite les différentes rythmiques, car il y a différentes rythmiques. Elle n'est pas évidente, elle n'est pas compliquée, mais elle est sympa avec différentes rythmiques. Du coup, refrain. Refrain AM, C, D et AM. Tout ça deux fois, parce qu'en fait, on fait deux fois le refrain. À chaque fois. Voilà, ensuite, il y a encore un couplet avec... ensuite, refrain de nouveau. Arrive le bridge. Le bridge. F astérix. AM astérix, AM, ça quatre fois. Qu'est-ce que le astérix? Astérix, c'est-à-dire que c'est une demi-rythmique, donc ça vous parlera plus lorsque je vous parlerai de la rythmique. Du coup, la rythmique, pour les couplets, moi je fais un petit picking qui est stylé, que j'aime bien, et ce picking c'est 1, alors moi je compte de haut en bas mes cordes, donc G, C, E, A, pour moi c'est 1, 2, 3, 4. Donc mon picking, que je suive mes notes parce que là c'est tenu par un pot de fleurs parce qu'il y a du vent où je suis. Du coup 1, 3, 2, 4 3, 2, 4 3, ça devrait sonner comme ça quand je suis sur le AM. 1, 3, 2, 4 3, 2, 4, 3 c'est pas pim pam poum pam pam pim pam, il n'y a pas de nuance. Et 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, deux fois par accord. Et elle est assez rapide. Normalement, le tempo original de la chanson, c'est... 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, c'est 1, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Donc, je vais vous tourner tranquillement les accords avec un tempo faisable par tous. Je vous tourne le couplet. Du coup, c'est ça deux fois par accord. La deuxième, c'est parti. 3, 4, AM. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3 encore. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, C. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3 encore. 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, EM, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, encore, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, DM, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, encore, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, voilà. Je vous le fais une fois à la vraie vitesse. Et 3, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, c'est 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, M, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, DM, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, je vous dis pas quel doigt je mets à droite. Normalement, vous devez utiliser un doigt par corde, donc le pouce sur la première en haut, index sur la deuxième,
majeur sur la troisième et annulaire sur la quatrième. Et faire du coup pouce majeur, index annulaire, majeur, index annulaire, majeur. Voilà, encore faut-il connaître ses doigts. Moi je triche un peu parce que je suis pas très à l'aise avec mon annulaire, donc j'utilise le pouce pour mes deux premières cordes. Donc dès qu'il y a la 1 ou la 2 qui arrive, c'est mon pouce qui l'utilise, et après j'utilise index sur la 3 et majeur sur la 4. Faites ce que vous voulez, d'accord? Faites ce qui vous va le plus. Normalement la vraie façon c'est de le mettre un doigt par corde, comme ça, ça vous permettra de faire justement le picking très rapidement, sans avoir à utiliser un doigt pour deux cordes. Vous irez plus vite à utiliser un doigt par corde. Chacun sa place, chacun sa corde. Plutôt que de un doigt qui gère plusieurs cordes, ça ira plus vite normalement. Voilà. Sur les couplets, moi je fais ce picking là, et sur les refrains ainsi que sur le bridge, je fais une autre rythmique qui est bas, bas, au, tchac, au, bas, au, bas, au, tchac, au, bas, au. Tout simplement. Elle écrit. Hein. Et du coup, lorsque va arriver les astérix, ce sera juste la moitié, le début, donc bas, bas, au, tchac, au, bas, au. Le tchac, j'en ai fait un tuto déjà, qui explique comment le faire, je ne vais pas le redétailler ici, parce que la chanson est déjà assez dense. Je vous fais la structure du refrain, du coup, avec cette rythmique. Donc, lentement. 3, 4, AM, bas, bas, au, tchac, au, bas, au. Au bas, au tchac, au bas, au C, bas. Bas, au tchac, au bas, au. Au bas, au tchac, au bas, au D, bas. Bas, au tchac, au bas, au. Au bas, au tchac, au bas, au AM, bas. Bas, au tchac, au bas, au. Au bas, au tchac, au bas, au. Là, vous recommencez une fois tout ça. Pour faire le refrain du coup deux fois, c'est tout le temps ça qui se passe. Et le dernier AM pour amener le deuxième couplet qui sera en picking, et ben dès le dernier AM du refrain, c'est pas facile, j'essaye de le faire, c'est de faire le premier bas du AM dans notre rythmique, là on sait bas, bas, au, tchac, au, bas, au, au, bas, au, tchac, au, bas, au. Et ben premier bas, et après j'enchaîne avec le picking. Du coup le premier bas remplacerait le 1, notre 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Si c'est trop compliqué, parce que c'est pas évident de faire bas, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3. C'est ça qu'on devrait faire normalement sur le dernier AM. Vous pouvez faire direct le picking sur AM du coup. Si le bas il est compliqué à caler avec le picking, vous pouvez aussi finir le D là juste avant. Bas, bas, au, tchac, au, bas, au. Au, bas, au, tchac, au, bas, au. AM 1, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1. Et couplet. Voilà. Normalement, ce que je trouve stylé, c'est de faire le D. Bas, bas, au, tchac, au, bas, au. Au bas, au tchac, au bas, au AM, bas, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3. Et encore 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, et couplet, AM encore 1. Voilà, faites ce qui vous arrange le mieux. Arriver, ça c'est... En fait ça arriverait ça qu'une seule fois, tout ça pour ça. Ce passage-là, là du AM, ça arriverait qu'une seule fois parce que ce serait pour le premier refrain. Pour enchaîner avec le couplet 2. Une fois que le couplet 2 est fini, pareil, on a fait les on a fait le refrain de nouveau. On va pas refaire le dernier AM ça, on va le garder en rythmique pleine parce qu'ensuite on enchaîne avec le bridge. Et le bridge, on va aussi le faire avec la rythmique du refrain. Donc le bridge c'était F astérix, AM astérix et AM normal. Qu'est-ce que ça veut dire? Les F astérix, AM astérix, ça veut dire que pour notre rythmique qui fait bas, bas, au, tchac, au, bas, au, au, bas, au, tchac, au, bas, au, bah là où je vous ai fait la respiration, c'est là où c'est la moitié. Donc le F astérix, ce serait juste sur F de faire le début bas,
ba-o, tcha-ko, ba-o. On irait faire le AM pareil, on refait le début de notre rythmique. Ba, ba-o, tcha-ko, ba-o. Et là, faut pas se perdre parce qu'on recommence un AM, donc le même, mais du début et tout entier. Ba, ba-o, tcha-ko, ba-o. O, ba-o, tcha-ko, ba-o. Je vous fais ça. 3, 4, F, stérix, ba, ba, o, tchako, ba, o, a, m, ba, ba, o, tchako, ba, o, a, m, ba, ba, o, tchako, ba, o, o, ba, o, tchako, ba, o, je le refais, tchako, ba, o, a, m, ba, ça enchaîne, ba, o, tchako, ba, o, a, m, ba, ba, o, tchako, ba, o, o, ba, o, tchako, ba, o. Il n'y a pas d'espace entre les deux astérix. Il n'y a pas cette respiration du coup dans la rythmique. C'est vraiment ba, F astérix, ba, ba, o, tchako, ba, o, a, m, ba. Ba, o, tchako, ba, o, c'est bim, bim, bam, boum. Après le bridge, il y a encore les qu'on va faire. D'habitude, on les fait en picking. C'est la fin du couplet. On va les faire en... Oui, on aurait pu dire que c'était une structure, ça. Ça aurait été un pré-refrain. Mais bon, trop tard. On refait les qui se transforment en A. Donc A, M, C, E, M, D, M. Et je vous ai pas tout dit. J'y reviendrai. Et ça, on reste sur la rythmique. C'est des accords entiers. Voilà. Sauf, je vous ai pas dit, mais pour tous les le D, M, en fait, pour faire une pause pour appeler le refrain, on va faire un DM astérix. Ah là là, je vous ai menti tout à l'heure. DM astérix plus... Alors, boop, come back to tous les couplets là. On est sur les couplets. C'est... EM... DM... Là, j'ai fait qu'une seule fois, 1, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, mon DM, donc astérix. Et je refais quand même 1, le départ. Ce qui fait que du coup, je vais chanter a cappella au début du refrain. You cannot need money or no. Un petit effet bien stylé. Et du coup, ça, ce DM astérix plus 1, plus la première corde, eh ben on le garde également là, à ce moment du whoop, retour vers le futur, de la fin de la chanson après le bridge là. Ça reste un DM astérix mais sur notre rythmique de refrain. Donc sur ce DM là vous faites juste le début ba ba o tchako ba o you cannot eat money on. C'est stylé. Voilà. Ensuite refrain deux fois plus un autre petit bout de refrain juste en faisant que des bas un peu a cappella. Vous voyez juste vocal. Oh, j'espère que c'était clair, comme on est revenu un peu en avant, en arrière. Et ben écoutez, le mieux c'est que je vous la fasse. Je vais vous la faire sans me tromper. Introduction, je fais un AM, voilà, histoire de dire. En picking, bien sûr, puisque nous commençons en picking. Est-ce qu'il y aurait moyen que je me cale un peu trop, je me ravance. Ah, c'est pas mal ça, c'est parti. Just like the sea, I don't know where to go. Through doubt and shadow I grow. I'm reaching a light through the struggle. Just like the sea, I'm chasing the wonder. I unravel myself. All in slow motion. You cannot eat money or no. You cannot eat money or no. When the last tree has fallen and the reefers are poison, you cannot eat money, oh no.
You kinda need money, oh no. You kinda need money, oh no. When the last tree has fallen and the reefers are poison, you kinda need money, oh no. Suffocate me so my tears can be red. I will water the ground where I stand so the flowers can grow back again. Cause just like the seed, everything wants to leave. We are burning our fingers, but we learn and forgive. You cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. When the last tree has fallen and the reefers are poison, you cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. When the last tree has fallen and the reefers are poison, you cannot eat money, oh no. Feed me sunlight, feed me air. Feed me truth and feed me prayer. Feed me sunlight, feed me air. Feed me truth and feed me prayer. You cannot eat money, oh no. When the last tree has fallen and the reefers are poison, you cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. When the last tree has fallen and the reefers are poison, you cannot eat money, oh no. You cannot eat money, oh no. Cannot need money, oh no. When the last trees are fallen and the rivers are poison, you cannot need money, oh no. Je sais pas si j'ai bien fait le bridge. Peut-être gratouiller le 1 des AM là, et à la fin, là, je sais ce que j'ai fait, donc c'est la vibe, vous voyez. Je sais pas si j'ai bien sur les temps. Enfin bon, peut-être que vous n'avez pas rendu compte. Ceci dit, tant mieux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à aller voir toutes les autres vidéos qui existent, à aller voir dans la description car nous faisons des magnifiques sangles dont j'ai mis le lien à La Rochelle avec une amie qui coud. Il y a plein d'autres infos dans la description donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, bah moi je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.